Alors Lily, on a fait des petits dessins sur son petit pansement. Il y en a plein. Du coup, ça donne ça. Bonjour. Bonjour, un kit. Et tu vas qui? Papa, ma soeur c'était la mouillée. Après c'était papa, moi j'étais. Elle c'était numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 3 c'était moi, j'étais le plus rampée. Et j'étais en short. Alors on a pris une bonne douche. Un cachet à moitié, que ça est. Ok, allez, on va s'habiller. Maman, je vous fais voir la tête à moitié parce que hier je me suis mis de l'huile là, sur les cheveux parce qu'en ce moment c'est une catastrophe. Hein. Donc là, on va habiller Lily, on va la changer. Maman, elle va aller se laver les cheveux en vitesse. C'est Tata Lilou qui te l'a offert. Et après, il faut que j'aille vite faire les courses. Et cet après-midi, il faut qu'on aille vite à Médica. Mon anniversaire. La journée va être chargée. Allez, madame Lily. C'est pas Tata. C'est bon, je me dévoile, j'ai une tête présentable, je viens de me laver les cheveux. J'ai mis du fond de teint, donc là pour le moment ça va, je vais le mettre, donc il tient. Je sais que dans une heure il tiendra plus. Voilà. Donc là je vais me dépêcher, je dois aller à la boutique bio en priorité. Et il faudrait que je passe aussi à Carrefour. Qu'est-ce que t'as toi? T'as eu à manger? Et t'as encore des croquettes, arrête de râler. Oui, donc il faut que je passe absolument à la boutique bio parce que là il n'y a plus rien. D'ailleurs il est où mon mot de course? Il est là. Et il faut aussi que j'aille à Carrefour parce qu'on n'a plus qu'une bouteille d'eau. Il faut qu'on passe à Carrefour. Enfin, que je passe à Carrefour. Absolument, c'est bon, j'ai mon mot de course. Voilà, du coup je ne prends pas la caméra. Peut-être que Rémi va vloguer, je ne sais pas, on verra. Ce soir au montage. Coucou, me voilà revenu des courses. J'ai fait vite. Là, ça fait un petit quart d'heure que je vous mets tout sur l'îlot. Mais j'ai mis une heure et demie pour faire la boutique bio et Carrefour. Donc je suis quand même pas trop mécontente de moi. Donc là, je vous dis pour faire voir ce que j'ai acheté. Parce qu'après, il faut vite que je le range. Rémi, je crois qu'il est en train de préparer un barbecue. Il reste du riz pilaf parce que Lucas, il faut qu'il soit à 2h chez une copine. Mais il faut qu'on parte à 1h30 de la maison parce qu'elle habite à une demi-heure de la maison. À peu près. Voilà, donc c'est parti. Donc, comme d'habitude, devant c'est la boutique bio et derrière c'est Carrefour. Donc à Carrefour, j'ai repris des couches pour Mademoiselle Lily, des croquettes pour Monsieur Jules, les cracottes à l'ergo. J'ai pris quelques vêtements pour les enfants. Alors j'ai pris un pyjama pour Lily qui n'était pas du tout cher. Donc j'ai dit bon, on va tenter. J'en ai pris un pour Lucas, c'était pas celui-là que j'avais pris à la base, mais je m'étais plantée de taille. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est arrivé à la caisse, donc j'ai couru dans le magasin pour me dépêcher. J'ai pris une casquette à Lucas, je ne sais pas si ça sera sa taille, parce que là il en a plus, et ça c'est le genre de truc qu'on en a jamais assez. Et je lui ai pris un petit t-shirt aussi, il aime bien tous ces coloris-là. Donc voilà, pour les achats des enfants, et Je pense que le pyjama que j'ai acheté à Zeeman, je vais le ramener pour Lucas, il est vraiment trop grand, c'est pas possible. Ensuite, à Carrefour, j'ai repris de la pâte feuilletée et de la pâte sans gluten. C'est pas bio, je sais, mais c'est largement plus pratique et je peux pas te faire tout maison. Au bout d'un moment, je suis pas un robot. J'ai repris deux bottes de pochis, j'ai pris ceux-là parce qu'il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude, tant pis, hein. J'ai pris des haricots blancs à la tomate. J'ai repris du paprika, je sais j'en ai pris la semaine dernière, mais c'était pas du croc. Il peut y avoir des traces de gluten et il y a eu la diarrhée. Donc on va reprendre celui-là. Ça c'est pour tester. Première fois que je vois ça. Bon, on se le cache pas, il y a des additifs, il y a des E machin. Il y a deux E machin truc. Je vais essayer de vous faire voir la composition. C'est pas ouf hein, mais bon, on va tester. Voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image, vous verrez. Bon, c'est pas non plus super pourri, mais c'est pas non plus bio. Voilà.
J'ai repris de la coriandre parce qu'au magasin bio que j'ai fait avant d'aller à Carrefour, il n'y en avait pas. D'ailleurs, la date de péremption est pas longue, j'avais pas fait gaffe. J'ai pris du riz basmati Uncle Ben's, donc pareil, je prends celui-là parce que sinon les enfants sont malades, celui-là il n'y a pas de trace de gluten. Derrière, si mon appareil photo à chaud il veut bien, j'ai deux bouteilles de vinaigre blanc pour faire le ménage. Là-bas derrière, vous voyez les pains Genius des enfants, donc j'en ai pris deux, toujours au magnifique prix de 4,70€. Alors ça me fait toujours halluciner. Si ça veut bien focuser dessus. Voilà, 4,70€ le pain. Je me mets là, ça va aller mieux. Ça me fait toujours halluciner ce pain à 4,70€, sachant que ma mère achète le même dans son Carrefour à 2,90€. Donc j'en ai pris deux parce que je compte faire des sandwichs. Là j'ai pris une baguette pour ce midi, je me suis dit ça serait, voilà. Là c'est mon sac de course. Là j'ai repris un sirop de pêche abricot. J'ai repris un sirop de fraises. J'ai repris les graines de tournesol que Rémi adore. De la noix de coco, normalement je ne prends pas cette marque mais il n'y avait plus rien d'autre. J'ai repris deux petits paquets de quinoa qui sont pré-cuits, sans gluten, super pratique pour faire le taboulé, Rémi adore. Une petite sauce tomate, j'ai repris aussi deux pots de maïs bio. Un pot enfin, alléluia, c'est bon, ça a l'air de rester en magasin parce que ça n'y était pas avant à Carrefour. Donc je suis contente, les enfants aussi. En ce moment, Lucas, si je le freine pas, il m'en enfile un pot par semaine. Hein. J'ai pris, non ça c'est pas la boutique, ça c'est voilà, ça, j'ai pris ça aussi, il n'y avait plus les mémés Georgette, j'étais triste, mais il n'y avait même pas l'étiquette, alors j'espère qu'ils vont les refaire. Donc j'ai pris les casse-grains, les enfants les tolèrent, donc voilà. Et après, dernier truc à Carrefour, j'ai pris 3 blocs de savon de Marseille. Alors celui-là, il n'est pas testé sur les animaux, il n'a pas d'huile de palme, il n'a pas de glycérine, il est cool pour faire la lessive, c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois. Il est aussi bien que le Marius Fabre, il coûte moins cher et moi je le trouve à Carrefour donc j'ai pas besoin d'aller courir à Jardiland pour aller l'acheter. Et après il me reste aussi en bas, j'ai pris 3 packs d'eau. Voilà, donc c'est déjà en bas, on prend de l'Evian parce que moi depuis que avant j'étais très j'avais des grosses migraines, du coup j'ai dû faire un gros traitement de fond et depuis que j'ai fait ce traitement de fond il y a des goûts que je ne supporte plus et l'eau, je n'arrive pas à boire l'eau si ce n'est pas de l'Evian. J'ai un blocage, je n'y arrive pas, je trouve que c'est pas bon du tout, donc depuis ce temps là je prends toujours de l'Evian. J'ai essayé plein d'autres eaux mais je n'y arrive pas, l'eau du robinet même en la laissant décanter avec un fil, non c'est pas possible. C'est pas possible, donc je sais, ça me dégoûte quand je vois toutes les bouteilles d'eau qu'on jette, mais voilà, on peut pas être parfait, hein, je ne suis pas parfaite, que voulez-vous. Donc maintenant on passe à la boutique bio. Donc à la boutique bio, j'ai repris de la sauce soja pour les enfants, du jus de citron. Pour ceux qui ont suivi, on a fait de la mayonnaise, si ça veut bien focuser dessus. Et normalement, il fallait du jus de citron, donc je l'ai pris comme ça. Je sais, normalement, il vaut mieux du jus de citron, hein, mais on les utilise pas assez, ça pourrit à chaque fois. J'ai repris de la purée de noisettes, si ça veut bien focuser dessus. Il y a trop de trucs, il n'y arrive pas, là. Il y a trop de trucs, il n'y arrive pas. Ouh là 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 là. Il est fatigué, le coco, voilà. J'ai crépote tes cookies qui sont en train de s'amuser dans les sacs, c'est rigolo. Oh sérieux. Donc voilà, donc j'ai pris de la purée de noisettes pour faire les muffins, j'en avais plus du tout. Pour cet après-midi, parce que je n'ai pas eu le temps de faire des gâteaux, à part ma tarte aux pommes que j'ai fait hier, donc j'ai pris des gâteaux pour Lucas pour cet après-midi. C'est une bonne marque, c'est cher mais c'est bon, par contre c'est pas bio je crois. Hein. Je crois pas que ça soit bio ça, hein. Je suis pas... voilà. J'ai repris deux paquets de galettes de riz pour Lily, enfin Lily et Lucas, mais surtout Lily, elle adore. J'ai pris 4-5 kg de patates, je crois, à peu près, hein, à la louche. J'ai repris des carottes, des petites oranges, les spaghettis que Lucas adore. Enfin, tout le monde les adore, mais alors Lucas, il a une adoration pour ses spaghettis. J'ai repris des petites courgettes, du céleri en branche, du persil, des kiwis, un petit peu d'avocats qui sont cachés derrière, des graines de chia qui sont certifiées sans gluten. Alors celles-là, je les ai prises, c'était le dernier paquet, sachant qu'en plus, il y avait une pénurie, c'était la galère. J'ai galéré pendant plusieurs
semaines avant d'en trouver. Donc là j'en ai pris, j'en ai encore mais j'en ai repris. Des bananas, deux paquets de spéculoos. Char. D'ailleurs char c'est le seul truc que je prends maintenant parce qu'à chaque fois c'est pas possible, hein, je vais vous faire voir. J'en ai marre. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, hein, je précise. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps. La date de péremption elle est où sur celui-là? Qu'on rigole un coup. Elle est là. Donc je ne mens pas. Hein. On va regarder. 11 du 7. D'accord. On est large. On est large. Je l'ai ouvert le week-end dernier. Les enfants en ont mangé les deux tranches du dessus, je n'avais pas regardé en dessous, hein, mais ils n'ont pas été malades, j'ai du bol. Et après quand j'ai voulu leur redonner en fait, la tranche qui était au dessus elle est partie à la poubelle. Et j'ai vu qu'il y avait ça dedans, voilà, hein. Donc le pain char qui n'est pas périmé et qu'on ouvre et qu'un jour après il est comme ça. Comment vous dire que quand vous payez votre pain 5 euros, les 5 tartines, ça fait mal au cul, hein. Excusez-moi de l'expression, mais c'est le mot. Donc du coup, j'achète plus que des trucs comme ça parce que c'est pas possible. J'ai repris des pommes, par contre Lucas va être triste parce que c'est pas les pommes qu'il aime, mais il y avait que celle-là. J'ai pris ça, hein, parce qu'il faut quand même manger des pommes. J'ai pris une mini pastèque, j'ai pris deux melons, j'ai pris deux mangues. Ah ça, c'est à Carrefour aussi parce qu'il n'avait pas la boutique bio, j'ai pris des abricots. Voilà, ils sont pas bio, ils n'avaient même pas en bio. Je dis bon, là, on va faire plaisir à Lily qui adore les abricots. J'ai repris du yaourt au soja nature. J'ai repris celui-ci aussi. J'en ai pris un à la vanille. J'en ai pris un à la framboise passion, si ça veut bien faire le focus. Non, oui, non, oui. Oh, yaya, il a du mal, hein. Voilà. J'ai pris celui-là. En plus, il y avait moins 20% parce que la date est courte, mais ça se périme pas spécialement. C'est ce genre de truc, voilà. De la farine de riz complète, de la farine de pois chiche. La farine de pois chiche, c'est la vie. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous pouvez vous laver les cheveux, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des muffins, vous pouvez faire des omelettes végétales. C'est un truc de base à avoir. Et deux petits concombres. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc maintenant, Simon. Voilà. Il a du mal, il a chaud. Hein. Vous devez entendre les enfants qui jouent dans le jardin avec ma mère et Rémi, peut-être. Vous entendez les enfants. Donc maintenant je vais m'amuser à ranger tout ça. Je vais boire un coup parce que ce matin depuis que je suis levée je me suis grouillée. J'ai été me laver, je me suis lavé les cheveux. Je me suis occupée des enfants, fait aspirateur et tout. Et j'ai même pas bu un coup, il est midi et demi. Il serait peut-être temps d'arrêter de déconner Julia quand même, hein. Donc sur ce je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure parce que la journée n'est pas du tout finie. A tout à l'heure. On va amener Lucas à l'anniversaire avec papa. Et après on va aller faire 2-3 magasins pendant que mamie elle te garde. Tu vas avec? D'accord? Ok? A tout à l'heure! Voilà. Un bisou! Plein de trucs! Un bisou! Okay. Moi je dois y aller! Un bisou! Bon bah j'y vais! Un bisou! T'es mignonne! Voilà. Ah non, t'es toute pleine de trucs! Un gros câlin! Voilà. C'est bon? Allez! A tout à l'heure! A tout à l'heure, mamie! On est arrivé! Lucas, il va à l'anniversaire. T'as tout pris. T'as tes lunettes, les chaussures. J'ai pas pris les chaussures. Attends. Le cadeau, le gâteau, les chaussures. Mimi, tu te fous de moi? Moi? Si, toi. Tu te fous de moi, même. Je dirais plus. Ah. Si. Parce que du coup là on a été amener Lucas, il est quasiment 4h, on va rentrer et on est passé à Intersport. Il a trouvé un short qui est derrière. Voilà. Et parce que Rémi n'a qu'un short, alors lui il s'en fiche, hein. Mais c'est pas lui qui repasse et qui lave. Hein? Ouais. Donc il faudra qu'on en trouve encore d'autres. Et on est passé là à Carrefour. Pour racheter, attention il y a des gens, pour racheter des pyjamas pour les enfants parce que ce matin je leur ai pris des pyjamas, ils leur vont donc j'en ai repris, j'ai pas pu en prendre pour Lucas. Et je disais donc qu'il fallait qu'on se rachète des vêtements avec Rémi, qu'il faudrait un budget par mois de temps pour acheter des fringues qui coûtent cher, hein. Chariot en plein milieu. Parce que vous allez voir, tout va bien. Et donc il me disait et j'étais en train de me plaindre que j'avais pas de fringues. Oui, si tu es en train de te plaindre, toi. Ouais, tu es en train de. C'est étrange, ça. Oh, c'est bon, si je me. Bizarre. Si je me plaignais pas, tu t'ennuierais. Tu t'ennuierais. C'est ça la voiture.
Voilà. Ah, ok, billet ouvert. On aurait pu aller voir les polos. Oui, mais non. Parce que monsieur voulait acheter de la viande. Donc il faut rentrer maintenant. Ah oui. Pour le barbecue. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Coucou. Alors, c'était cool? Waouh. T'es content? Oui. Ouais. Alors, c'était bien? Je sais pas quoi, il roule vite, on va se prendre le truc. En fait, ça, c'est le même truc que chez mamie. D'accord. C'est pour se rouler les feuilles. T'as joué dans l'herbe, du coup, t'es tout sale? Ouais. T'as les pieds dans un état? Mais dans celui-là, je. Catastrophique. Celui-là, je ne le ferai pas parce que j'en donnerai à Lily, c'est des schtroumpfs. C'est gentil. C'est gentil de penser à ta soeur, c'est bien. Donc j'attends qu'elle. Que tu sois à la maison. Ah, ok. Je l'ouvrirai avec elle. Ah, ok. Ta ceinture est mal mise. C'est bon? Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On vient de rentrer. Je vais faire un petit tour dehors, la lumière. Et je vais aller faire après mes petites pommes de terre pour faire les frites. Coucou Gilles. Ça va? Et je tiens à préciser que Lucas a dit qu'il l'ouvrirait arrivé à la maison pour en donner avec sa, à sa sœur. Pour partager. Ah, boum! Du cicatrice, chérie. Comme mamie, elle a mis sur les ampoules. Oui, mais fais attention, il va risque d'atterrir chez les voisins. Alors, Lily, t'as un gros pansement? T'es tombée? Oh là là, du coup, t'as une sucette. C'est bien la sucette? Ouais. T'es fatiguée? Oui. Quelqu'un peut tomber et pas faire mal, ou quelqu'un peut tomber? Oui, Lucas, il s'est pas fait mal, il est pas tombé, oui, mais toi, t'es tombée. Oui, toi tu t'es pris le pied de table après, oui. Bras cassé. Oui. Hein. On sait qui y tiennent. Il y en a moins. Il y en a un bobo. Oui, je sais, t'as un bobo. Mais papa, il t'a fait un joli pansement. Oh, mais il hein? Un bobo. Voilà, regarde. Et lune, elle veut. Tu veux une autre, couleur? On fait une lune? On l'a fait où, la lune là? Regarde la lune, je la fais là. Non, là. Ah bah regarde, j'en fais une autre si tu veux. Papa, il en fait une ronde cette fois-ci. Non, attends. T'as fait une ronde maintenant. Je sais pas comment il veut. Lily, elle a fait une lune. Ah ouais. Regarde, moi j'en fais une ronde là, regarde. Je vais te faire un sourire. Par contre, il faudra qu'on aille te coiffer, Lily et Lucas aussi. Hein. Regarde. Des lunettes. Tu fais des lunettes? Alors Lily, on a fait des petits dessins sur son petit pansement. Il y en a plein. Du coup, ça donne ça. Et papa, il s'est planté. Hein, il marquait... Lily. Il avait marqué Lily dans le mauvais sens, en fait. Et... voilà. Enfin bref. Ouais. Papa, il met toujours dans le mauvais sens ton prénom. On va aller au dodo maintenant, les enfants, parce que vous êtes fatigués. Vous avez commencé par Y. Hein, les enfants, on va au dodo? Oui. Lily, on va au dodo? On a mangé dehors. Lily s'est fait mal. Donc du coup elle a un gros pansement. Les enfants ont pris leur douche parce que Lucas, l'anniversaire, ils ont joué dans l'herbe qui venait d'être coupée fraîchement. Et on a ramassé les cheveux et tout. Donc, on a ramassé à la place des gros. Oui. Du coup la douche était obligatoire, on va dire. Voilà. Entre l'énervement, la fatigue, la sueur. Je peux vous faire voir mes deux voitures. Attends. Il faut les cliquer. C'est bon. Non, c'est nous qui s'en fout. Ah bon, vous avez vu les deux voitures. On va regarder les smileys, mon loup. C'est les Spider-Man. Ouais. On va regarder les smileys. Oui. Regarde. Qui c'est qui est ton ami? Sarah. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Sarah. Merci Sarah. Attends. Merci Laurette. Merci Laurette. Hop. Ensuite on a quoi?
pas là, il faisait la guerre. Ouais, il voulait m'attaquer avec sa spatule de cuisine. J'étais dans le jardin. Non, t'étais dans la maison, mais t'étais encore je sais pas où, soit en train de regarder la télé. Je crois que tu regardais la télé. Merci. Sarah. T'as vu, elle a mis des hélicoptères et des avions. C'est que des engins pour rouler. Oui. T'as vu? Sauf les avions, ils peuvent rouler. Enfin, rouler, voler, que des trucs, que des engins. Oui. Merci. Julie. Oh, la vie est beau, là. Ouais. Elle a mis un petit coquillage. Ouais, t'as vu, elle a fini par une fusée. Ouais. Ouais, ouais. Et attends, avant, il y avait quoi? Un bateau. À voile. Merci. Lisa. Lucas. Voilà, merci. C'est une fille. Bah oui, je pense. Moi, je pense. Ensuite. Lali. Dave. Merci. Je sais pas si on aura beaucoup là parce que là c'est des personnes qui répondaient à maman. Ouais, c'est ça, ça sera principalement des. Non, ça n'aura pas beaucoup. C'est que des commentaires pour maman parce que j'avais posé une question. Je fais ça quand tu es dégoûtée. Oh, tu veux plus de smiley? Non, please. S'il vous plaît. Et merci. Si, merci. Voilà. Bon, sur ce, Lucas il va aller au dodo parce que là il a une sacrée journée. Demain il faut qu'on retourne à Ziman. Voilà. Voilà, demain on va retourner à Ziman, je sais pas comment ça se dit. Ziman. Pour aller ramener le petit. Ziman. Pour aller ramener ton petit pyjama qui est trop grand. On va le rendre carrément parce que. Ziman. La taille en dessous sera trop petite. On va aller changer des caleçons qui sont pas la bonne taille, que je me suis plantée de taille. Ah, moi j'aime bien, c'est mal, je connais pas. Ouais, t'as pas essayé toi. J'y suis déjà allée avec Lee, mais j'y vais jamais avec toi. Mais demain, comme mamie est là, elle pourra vous surveiller. C'est ça. Il faudra pas la faire courir dans tous les rayons. Ok? Ouais. Bon, allez, sur ce, on vous dit à demain. À demain. Gros bisous. Gros bisous. Coucou, mademoiselle. Coucou. Tu vas aller faire tes dents? Oui, un gros caca. T'as un gros pansement? Oui. Bah oui, tu t'es fait un gros pansement. Oui. T'as rayé le genou, hein? Oui. On va dire, c'est pas à moitié. Oui. Bah oui. Parce que quelqu'un peut rayer le genou. Oui, Lucas, il se paraît le genou. C'est moi. Maman, il y a un cassé-pied, il y a un café, il y a un. Après, tu me dis, maman, un cassé-pied. Moi je me suis cassé le pied. Oh. Ah oui, moi je me suis cassé le pied. Oui. Oh. Je me suis cassé l'orteil moi. J'ai mon orteil cassé. Oh. Et le docteur il m'a dit que j'aurais mal pendant bien 6 mois. Oh. Vu comment j'étais cassé. Oh, cac. Oui. Oh. On fera que là. Je vais rester là, mais je vais aussi te faire un petit câlin parce que là t'es très fatiguée. Oh. Et puis moi j'ai Jules qui veut sortir. Je sais pas si vous voyez là. Ah Jules, tu veux sortir toi? Eh oui. Voilà. T'as une sacrée descente, hein? Eh oui. Moi, on fait du dessin, je suis le caca, moi. Eh oui, t'as fait des dessins sur ton pansement. Oh. Mais ils l'ont vu juste avant. Ils l'ont vu. Ils ont vu ta petite œuvre d'art. Oh. Voilà. On vous dit à demain? Yeah. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Gros bisous. This is a man. This is a man. This is a man.